Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 21 de Oldium. Et évidemment, il faut que je lance le jeu et il fait orage. Alors ça fait un petit moment que je n'étais pas revenue sur Oldium. Et un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo parce que j'ai été très occupée dans ma vie réelle. Mais comme vous le savez aussi, on est en coop en ce moment sur Twitch. Vous aurez le lien de la chaîne Twitch de toute façon dans la description. On est en train de tester le jeu Echo en coop, donc on est assez pris de ce côté-là. Donc je vais essayer de rattraper le retard des vidéos, que ce soit au niveau de tous les let's play. Mais c'est un petit peu compliqué entre le réel et le reste. Voilà. Donc dans cet épisode 21, dans l'épisode précédent, on avait vu, on est allé sur l'autre île, on était revenu ici et je suis revenu moi hors caméra, pardon. À la base, vider tout ce que j'avais, etc. On a donc le plan des turbines machines. Alors, je l'ai gardé sur moi parce que je ne sais pas du tout s'il faut les porter à Blood Island où on doit aller avec le bateau pour chercher Marc qui est dans une maison abandonnée. Alors, on n'est pas encore allé sur cette île. Hein, donc, on va découvrir ensemble. Donc, avec moi, j'ai amené la pioche. Alors, j'ai vu qu'au niveau vêtements, j'avais pas trop ils sont un peu usés, mais bon, avec le nombre de vies qu'on a. J'ai juste regardé niveau soins, si j'ai ce qu'il faut. Non, j'en ai pas. Voilà, les vêtements, ils sont quand même assez usés, mais bon. Ça, on peut se le refaire sur place avec des fibres. C'est pas gênant, il n'y a que les chaussures. Ça peut être un petit peu embêtant. Je vais me prendre des médocs, je ne sais pas pourquoi j'en ai plus. J'ai des pansements, mais j'ai plus de médicaments. Ah, alors il y a pas mal. Ah si, j'en ai là. Je les avais pas vus. Autant pour moi. Eh bien, on va prendre le bateau tout de suite. On va pas perdre de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement. Donc, on doit aller ici à Blood Island. Donc, on est allé à Skull Island pour avoir le plan des turbines machines. Hein. On avait dû affronter les Hunters. Et moi, hors vidéo, j'étais revenu ici à la base pour porter, vider l'inventaire, etc. Et donc, il nous avait dit qu'il fallait qu'on aille à Blood Island, ici, donc, chercher Marc. Et on va voir ce que Marc va nous dire. Par contre, j'ai pas l'impression, je peux pas zoomer plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ville. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'on se balade sur toute la map? J'en sais rien. On verra ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès que je suis arrivée là-bas avec le bateau. Parce que ça risque de faire un petit peu long le trajet. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Et puis, on croise les doigts pour pas mourir, bien sûr. Entre-temps, ah oui, et j'ai pas pris le lit. Voilà. Donc, je vais préparer le lit. Je vais préparer la plateforme. Et on va aller à Blood Island. À tout de suite. Alors, je suis en train d'arriver à Skull Island et ici sur la droite, là dans les arbres, il y a une maison. Donc, je pense que c'est là qu'on va trouver le dénommé Marc. Donc, je vais essayer de me garer avec le bateau. Je ne sais pas si ça vaut le coup de poser une plateforme avec un lit. On verra. Vous voyez, il y a une maison là. On la voit à travers le truc. Je vais mettre là. Je pense que ça passera. Je sais pas du tout, ça vaut le coup de poser le lit. Je sais pas s'il y a des hunters sur cette île ou pas du tout. On va éteindre le bateau, voilà. Je vais pas être embêtée pour monter. Non. Alors, pour moi, il serait dans la baraque, là, abandonné. Par contre, je ne sais pas du tout si... Ici, il y a des bébêtes. Ou s'il n'y en a pas. Ah, il y a des bébêtes. Je viens d'entendre un teddy. Je ne sais pas trop où. Alors, j'ai été obligée de faire une petite ellipse. Parce que j'avais un problème avec l'arc. Donc, et j'ai vu aussi que j'avais plus de munitions dans le revolver. Donc, si vous reprenez votre partie après que la mise à jour ait été faite. La dernière mise à jour par le nouveau développeur qui a repris le jeu. Vérifiez ce que vous avez dans votre inventaire hein, parce que sinon ça va être un problème.
Donc, moi, c'est apparemment qu'un bug au niveau de l'arc. Alors, une maison abandonnée, je vois que c'est là, j'espère que c'est là. Donc, j'ai tué l'ours, hein, voilà. J'ai tué l'ours. Maintenant, j'espère que le dénommé Marc se situe bien ici. Ça me fait penser à la maison d'un autre jeu, en fait. Est-ce qu'il est là? Oui. Il doit se sentir tout seul, lui, le pauvre Marc. Alors, Stan m'a dit que tu voulais arrêter, mais que tu voulais travailler sur une liste nécessaire. Nanana, start-up and outpost. Ok. Allez, j'attendais que tu me délivres. En fait, il attendait qu'on lui délivre, je pense, les papiers de la turbine machine. Merci beaucoup de ton aide. Nous allons pouvoir accomplir ce que nous devions faire. Bonne chance. Ok. Gâteur supplice. Ok. Et là, il n'y a rien d'autre. Gâteur supplice. Alors, les choses se compliquent énormément. Je vais me soigner. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau agressivité de l'ours, il n'y est pas les moulots, le nouveau dev. Donc, quand on a rendu la quête à Marc, donc on voit en bas la nouvelle quête qui est gâteur supplice, c'est simplement des choses qu'il faut lui apporter. Et je peux vous dire que c'est pas n'importe quoi. Alors, je pense qu'ils auraient pu le mettre avant, ça par contre. Donc, il va falloir lui apporter tout ça. Donc, ça promet. Donc il faut 100 biofuel, du Kevlar, des jus de fruits. Donc on en a là. Est-ce que je peux déstack ça? 1, 2, 3, 4, 5. On va voir si ça marche comme ça. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis pas arrivée à 50. Hein. J'aurais pu faire moite-moite. 20, 30. Allez, dépêche-toi. Ça va pas être une partie de plaisir, hein, parce que les allers-retours, à moins qu'il y ait autre chose sur cette île et que j'arrive à trouver sur l'île même, alors à ce moment-là, je pose la fondation, mais ça va pas être une partie de plaisir s'il faut faire que des allers-retours, là, pour trouver ben, tout ce qu'il a besoin, là, parce qu'il y a carrément énormément de choses, quoi. Ça va être une horreur, cette quête. Alors, voyons. Si je lui en mets 50, est-ce que ça valide? De toute façon, ça peut être qu'ici, j'aurais fait la moitié du stack, j'aurais gagné du temps. Donc, si je lui donne ça, voilà. Ça a validé le jus de fruits. Ok. Donc, fleur, bandage, il en veut 50. Non, si je lui donne, j'en ai plus. Donc, il faudra que je... Alors là, il va falloir... c'est quand vous en arriverez là, prenez un papier, un crayon, parce que je suis pas sûre que sur la carte vous trouviez, enfin là où on est, je suis pas sûre qu'on trouve tout ça. On va regarder, mais je crois qu'on n'est pas prêt de voir la fin de cette quête, pour être honnête avec vous. Hein. Donc ici, il en voudrait combien il veut de medical kit? 15. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il nous en reste 41. On va lui donner ça. Donc, celle valide. Alors, bandage, je peux pas parce que si je lui donne, c'est foutu. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de l'inventaire. Alors, il veut des fabriques. Les fabriques, si on les, on peut pas les faire sur nous. Des ciments, on les a pas là. Les clous, on les a pas là. Biofluid, on l'a pas là. Le Kevlar, on l'a pas là. Le bandage, on l'a pas là. Flore, alors est-ce que ça serait. Alors, non, on n'a pas. Flore, pourtant, c'est sol. Donc, pourquoi. Bon. Tout, 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 tout. Des wood planks, on les a pas là. Le col, on l'a pas là. Le bilo,
Bilo, Bilo, Bilo, Bilo. Normalement, ce que là, c'est pas alphabétique, mais voilà, Bilo. Ah, d'accord, c'est. Oh là là. Bah, il va falloir tout ça pour en faire trois. C'est pas gagné. Ça, là, on va mettre un moment à la faire. Donc, le prochain épisode, on se retrouvera quand j'aurai fait, je pense, tout ce qu'il faut, parce que là, ça va être du craft, beaucoup de craft, et ça va être très, très prise de tête pour vous. Donc, 250 ciments, des litters, j'en ai pas ici, c'est foutu un max d'animaux. Alors, pour les litters, on les a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a litter? Les litters, c'est ceci. Et les litters, ça se fait avec des peaux d'animaux. Donc, j'en ai trois. Pour l'instant, je peux en craft un, je pense. Donc, à part me buter plein d'animaux, je vois pas autre chose. Il en faut 25. Ça veut dire tuer 25 animaux. Il faut avoir 25 peaux. Donc, 25 peaux. Ensuite, batterie. Par contre, ça doit, on ne doit pas l'avoir dans ça. C'est dans un des ateliers. Ouais, batterie, on n'a pas. Alors, si on revient en arrière, fabrique, hein, on les a pas là. C'est classé par ordre alphabétique. Donc, non. Les fleurs, c'est de la farine. Je l'avais mal écrit, donc c'est avec c'est sans farine alors qu'on les a pas gardés jusque-là. Ok, ça promet. Ensuite, des bandages. Bon, ben, on en a 49, mais il en veut 50. Hein, sans les fera. Ensuite, du biofuel, on l'a pas là. Les clous, on les a pas là. Les wood planks, on n'a pas le bois là. On pourrait couper de l'arbre, etc. Les bilots, on a vu. Le ciment, on l'a là-bas. Les litters, on les a vus. Bilot, on l'a pas vu. Alors, est-ce que Bilot, ouais, si Bilot, on l'a vu, c'est ça. Et pour le faire, il me faut des irons. Et on est pas mal en rade aussi au niveau craft de pas mal de matériel. Donc là, ça va pas être une quête facile. Hein. Donc je pense que pour le prochain épisode, j'essaierai de faire ça en live. Comme ça, je papoterai avec ceux qui sont sur le live en même temps que je crafte. Hein. Mais là, il y a du boulot. Là, il n'est pas allé mollo, le nouveau dev. Alors, je sais pas du tout si c'est la fin du jeu ou pas. Je sais qu'il y a l'hélicoptère à faire. Je pense que ça va être l'hélico après que tout se passe, qu'on s'échappe. Je me suis pas spoilé là-dessus. Mais en tout cas, là, c'est pas du mollo. Hein. Donc 25 litres et 25 batteries. Donc je pense que les batteries, de toute façon, c'est pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, il a besoin de matériel qui est nécessaire et demandé par la résistance. Marque de la résistance est localisée à Bloodisland dans une maison abandonnée. Et donc, il nous donne une checklist et on doit lui porter tout ça. Alors, j'espère une chose en tout cas, c'est que ce qu'on lui a déjà donné, il le mémorise bien, quoi. Parce que s'il nous le redemande à chaque fois qu'on revient, ça va être compliqué. Alors, il n'y a rien ici, c'est une grande baraque hein, qui serait sympa comme base, je trouve. Mais on va boire un ch'ticot. Deux ch'ticots peut-être, ouais, ce serait pas mal. On va se manger une viande. Et là, je vous dirais que je sais pas trop qu'est-ce qui serait mieux à faire. Est-ce qu'on fouille sur cette île un petit peu? Je pense pas qu'il y ait grand-chose, hein, pour être honnête. Hein. Tout est vide. C'est peut-être ici que va se mettre la résistance. Hein, donc, il a besoin de tout ça pour ici, pour l'aménager. Ça doit être ça, à la base du truc. Parce que là, il n'y a absolument rien à fouiller, quoi. Hein. Non, là, il n'y a rien. En plus, il fait nuit. Tout va bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de hunter. J'ai vu qu'un Teddy et des biches. Donc je pense que ça va être le QG de la résistance. Hein. Je pense que c'est ça. Et donc il a besoin de tout ça. Mais il pourrait aussi se bouger lui-même hein, pour aller en chercher, plutôt qu'attendre là. Donc, eh bien, voilà, on est content. On est venu, on apprend ça, c'est cool. Bon. Alors je pense que les turbines machines, les plans, vu qu'on est obligé de les garder. Est-ce que j'ai ma torche? Parce que. Même pas. Vous voyez, même ma torche a disparu du. De mon inventaire. Donc vérifiez bien
votre inventaire surtout, hein, quand vous reprenez votre partie, vu la mise à jour qu'il y a eu. Donc on a toujours le plan des turbines machines. Et donc c'était pas ça qu'il voulait en fait, le monsieur. Donc là, le problème est que j'y vois que dalle. Il y a un lion en plus. Il y a un lion. Alors, j'ai tendance à reprendre mes touches normales dans ce jeu. C'est pas ça du tout. Il est pas loin, le pépère. Je pense pas qu'il y ait autre chose ici que. Je pense pas qu'il y ait une ville. Je regarde au niveau de la map parce qu'on y voit mieux. Je peux pas zoomer plus que ça là. Autant les autres îles, on voit les villes, mais là je crois qu'il n'y a rien du tout. Je crois que vraiment c'est vraiment abandonné de chez abandonné. Ça nous arrange pas vraiment l'affaire. Parce que ma lampe, elle marche toujours, tant mieux. On peut faire un petit tour ici. Est-ce qu'il y aurait une grotte? Je sais pas. Alors, le lion est là-bas, ça nous ferait une fourrure de plus. Il a accéléré par contre les animaux, ça c'est sûr. Hop, 50 d'XP. On va dépiéter le pépère là. Je vais appuyer sur la touche 6 alors que c'est avec la molette. C'est ça, quand on ne joue pas depuis longtemps à un jeu, on est un petit peu perdu. Et l'air de rien, on n'a toujours pas fini le jeu. Ça fait un an, presque un an qu'on y est dessus. On est au 71e jour de survie. Et on n'a toujours pas fini le jeu. Si je m'enfonce avec ma chance, je ne veux pas dire. Mais je suis sûre que ma lampe va lâcher. Ce qui ne m'arrangerait pas. Alors par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est s'il y a autre chose, s'il y a des maisons sur cette île ou pas. Toujours faire gaffe au bruit. Là-bas, je vais toujours appuyer sur ce bouton alors que c'est pas celui-là. Là, il y a une vache, mais bon, j'en ferai pas grand-chose. Puis je suis courir après qu'autre chose. Ah, il y a des hunters. On a des hunters ici. Il y a donc des hunters sur cette île aussi. Donc, il doit y avoir une ville, je suppose. On va essayer de la trouver. Ah, merde. Hop. Elle est où, là? Je vois pas. La vache. Ils sont plus durs, beaucoup plus durs qu'au début, hein. Alors, biofuel, on en a. Alors, est-ce que ça a affronté les hunters là aussi? Si c'est le cas, le dev veut vraiment qu'on meure. Et là, si je meurs, je vous rappelle que je repop nulle part. Donc c'est assez risqué ce que je fais. Donc il y a des hunters. Moi, ben, on saura ça. J'ai pas appuyé sur ma touche 2. Non, c'est pas comme ça. Alors, le jour se lève. C'est déjà pas mal. Alors il y a des hunters. Donc il doit sûrement y avoir une ville. Je vois pas ce que les hunters foutraient là sans maison. Pour être honnête. Peut-être se balader un peu. J'espère que je vais pas mourir. Je n'ai pas posé le lit. J'ai peut-être posé le lit par sécurité. Parce que sinon je perds tout, je perds le bateau et c'est la fin du let's play. Ça m'embêterait d'avoir passé tout ce temps en condition que je retrouve, bien sûr. Attention à ma stamina. Un croco, mais lâchez-moi la grappe. J'ai perdu la baraque et tout, tellement j'ai couru. Il y a du peuple, hein. Où j'ai mis le bateau? Aïe, ce que j'aime pas. Pas le choix.
Pas le choix parce que c'est ceux qui font le moins de cadeaux. Bon, faudrait que je retrouve vraiment le bateau parce que ça a l'air d'être très très chaud ici. On dirait qu'on a déjà vu pire, mais. Un bateau là-bas. Ah ouais, j'ai quand même coursé à l'opposé. Là, il y a un cochon, mais on va mettre plus de temps à courir après le cochon qu'on va en mettre à. À le tuer. Donc attention, Mastam. Bon, je vais quand même poser par sécurité. Je sais pas trop parce que bon, l'île on la connaît pas. Si ça se trouve, j'ai posé le lit pour rien. Mais vaut mieux le poser pour rien que tout perdre quoi. Parce que là, on repop après n'importe où. Donc on va le mettre là. Je crois que je l'ai là dans le bateau, la plateforme avec le lit. Alors, ici, hop, ça, hop. Donc on va se la mettre. Je vais pas la mettre droite, t'es sûr? Pas comme ça. J'espère que je n'ai pas mis trop haute, que je puisse y monter dessus. Hop, c'est bon. Et puis on va poser notre lit, hein, parce que par sécurité. Voilà, au moins si on meurt, écoutez, au moins on est safe. Bon, ben on va aller explorer cette charmante petite île. Hein. Obligé. S'il y a des hunters, ou alors je ne comprends plus. Mais je pense que, vu qu'il y a des hunters, je pense à mon avis qu'il y a une ville. C'est pas possible autrement. Sinon, ça serait nouveau. J'ai rien à te sortir que les hunters sont sur une île où il n'y a pas de maison. Donc on va courir un petit peu dans tous les sens. Il y a pas mal d'animaux, mais. J'ai pas du tout l'impression qu'il y a une ville. Hein. C'est bizarre que j'ai trouvé deux hunters quand même. Normalement, ils ont possession des maisons. Donc, si on prend l'exemple d'une autre petite île qu'on avait vue, on avait mis un moment à trouver je crois que c'était dans l'île enneigée, là. Les maisons étaient bien planquées. Donc, si ça se trouve, on ne sait pas. J'ai pas mis mon point de repère pour le bateau. J'ai pas l'impression qu'il y ait. Et j'ai pas un point de vue mirobolant en hauteur pour pouvoir voir. Mais j'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression qu'il est vraiment tout seul, le pauvre Marc, dans sa maison là. Pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Là, je suis vraiment en train. On le voit en bas à droite. Hein, je suis vraiment en train de raser les bords. Mais j'ai pas l'impression que je reviens vers mon lit. Bon, c'est comme ça qu'on voit s'il y a des baraques ou pas. Toujours attentif au moindre bruit. C'est quoi ça là, que j'ai vu? Je croyais avoir vu une maison, mais non. On va faire le tour de cette île. Alors, ça va pas être un épisode grandiose là, hein, parce que là, s'il n'y a rien à faire sur cette île, hein, j'ai entendu un loup, il me semble. S'il n'y a rien à faire sur cette île, ouais, y a un loup. Où il est, mais je vais peut-être éteindre ma lampe pour pas la gaspiller. Alors il serait où quand il hurle comme ça, ce qui va pas tarder à me tomber dessus.
Donc là, on a fait la bordure gauche, il n'y a pas de maison. On va peut-être en profiter pour se prendre des figues. Ça nous évitera de faire des pots avec deux céréales. Hop. Je reprends mon arc. Pas que, mais je tiens ma peau, même si maintenant on peut se faire les pizzas, comme je dirais, qui nous permettent de nous redonner de la vie. Mais j'ai l'impression que ce pauvre Marc vit vraiment en ermite. Hein. C'est bizarre, vraiment c'est bizarre qu'il y ait eu des hunters. On va continuer à longer par là. C'est juste histoire de voir si vraiment il y a sur cette île quelque chose ou pas du tout. Je vois même pas de mine. Ça n'a pas l'air. Ou alors, faut que je voie un ophtalmo rapidement. Vous me le direz dans les commentaires hein, si vous avez vu une mine. Alors là, il y a un Teddy encore. Hein. À la limite, on peut le tuer. Hein, mais. Oui, vas-y. Et où? Ouais. Ça nous fera des pots. Mais c'est pas ici, en tout cas, qu'on pourrait accomplir la quête sans bouger. Donc, j'ai posé effectivement le lit pour rien. J'ai posé le lit pour rien, mais vaut mieux pour rien que de le perdre, hein, que de perdre tout. Surtout arriver à ce niveau-là, parce que je meurs ici et j'ai pas posé le lit, vous le savez hein, maintenant. Et vu que j'ai pas le lit à la base, je peux repop n'importe où, ce qui veut dire bateau perdu et recommencer la quête du bateau. Ça nous fait faire un pas en arrière hein, atroce. Donc ça serait dommage. Donc vaut mieux encore perdre quelques ressources et se faire un lit. On va se prendre des... Est-ce que c'était deux hunters qui étaient perdus ou aussi égarés? Je ne sais pas. Pas revu depuis. Il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait un qui pop. J'essaye de longer, mais... En tout cas, c'est pas ici, je pense pas qu'on puisse lui rendre tout ce qu'il nous demande. Le biofuel, comme on peut fouiller dans les maisons, etc., dans les autres îles. Là, il n'y a rien du tout. Le gars est vraiment en ermite. À part de maudits hunters qu'il y avait. Il n'y a rien du tout. Même pas une mine. Catch. Que dalle. D'autant plus que c'est pas du tout la porte à côté. Hein. J'ai mis 5. Et encore un loup. 5 bonnes minutes à venir avec le bateau. Simplement pour qu'ils me disent. Ah ben Hunter là, je vais me le faire. Comme ça, no soucis. Voilà. Alors peut-être qu'en tuant les hunters, on peut récupérer, mais du biofuel, ouais. Des pansements, ouais. Alors peut-être en tuant les hunters, mais ça ferait tourner pendant des jours et des jours et des jours. Ce serait bizarre. Qu'on doive rester là rien que pour ça. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas, à moins que ce soit sur les hunters. Mais bon. Je ne me vois pas honnêtement passer des heures et des heures ici à chasser le hunter ou l'ours ou le loup simplement pour tout ce qu'il a demandé. Là, il y a un lion. Oh, il est là. Donc, pour les pots, ça c'est sûr, on pourrait. Mais on n'a pas que ça, quoi. Le problème, il est là. Je suis bloqué par un arbre et je vais me faire croquer.
Hop. Il est assez gourmand, hein, parce que des litres, il en veut quand même 25. Hein. Ça, je pense que c'est une quête que je ferai en live, enfin que je finirai en live. Là, je vais continuer à fouiner avec vous, faire quelques animaux. Donc, rien d'extraordinaire. En fait, vous aurez simplement découvert que sur Blood, machin, il n'y a que dalle. Et que Marc, voilà quoi. Il faut lui amener tout ça. Et qu'on a fait tout ce trajet que pour ça, pour savoir qu'il faut lui ramener tout un tas de trucs. Il n'y a aucune maison. On n'est pas venu pour rien, on a quand même fait la quête de Marc. Mais voilà quoi. Il faut repartir. Donc comme je vous disais, surveillez bien vos inventaires, hein, si vous en êtes là. Je pense pas manquer de maison, hein, de toute façon. Donc ce que je vais faire, moi je vais retourner à la base. À moins que j'ai déjà tout à la base, ça serait génial. Et alors à ce moment-là, dans l'épisode 22, ben, on ferait un aller-retour. Mais je pense pas que j'ai déjà tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver au niveau de la base. Hein, donc je vais récupérer mon lit. Voilà. Donc on va le sup. On va laisser la plateforme. Et je vais reprendre le bateau. Je vous retrouve au niveau de la base. Et on regarde si, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pas pouvoir faire. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de minerais. Donc ça, c'est moi hors vidéo pour pas vous imposer. Faut-il encore que j'arrive à monter? On va faire comme tout à l'heure là, si on y arrive. Voilà. Histoire de ne pas vous imposer les séances de craft. Pendant 3 heures taper du caillou parce que là vraiment niveau caillou on est mal pour être honnête on n'en a plus donc je suis en demi speed au niveau de la map donc on va revenir à la base qui est ici voilà. Voilà, on a fait un sacré bout de trajet je pense que le plus court c'est de revenir par là maintenant je pense. Je vous dirai ça. Je vous retrouve à la base. Et puis à la base, on voit si on a ben, tout ce qu'il faut pour. Vous n'allez pas me dire que le bateau, je l'ai complètement bloqué. Ce serait complètement con. J'ai pété le lit là. J'ai plus de lit là. Oh. Alors ben j'ai pas pu repartir à ma base quand rappelez-vous le bateau était là quand j'ai reculé le bateau est parti dans les airs n'est-ce pas et le bateau s'est posé ici voilà le seul problème que j'ai et je pense que ça va être la fin du let's play à moins que j'arrive à trouver une solution je ne sais pas comment parce que là je ne peux pas rentrer à la nage parce que je vais prendre des dégâts. Même si j'essaye, vous voyez, le bateau d'avancer en étant en full, le bateau, normal, l'hélice n'est pas dans l'eau, donc voilà, il est parti dans les airs et il s'est posé sur le côté. Donc je pensais que de couper l'arbre devant qui le bloquait allait résoudre le problème, mais c'est pas comme dans certains jeux, sinon j'aurais creusé ici, mais bon. Alors je vous reprends pour vous donner une bonne nouvelle, j'ai réussi à débloquer le bateau, oui, j'ai juste fait en fait un nouveau reco. Et le bateau avait bougé, il était revenu plus près de l'eau. Donc on est sauvé. Donc on retourne à la base avec le bateau. Je ne vous cache pas que j'ai eu la frayeur de ma vie. Mais non, en fait, c'est bon. On n'a pas perdu le bateau. Alléluia. Donc on va retourner à la base. De toute façon, je pense que j'arrêterai l'épisode là. On va juste regarder à la base. Si on a déjà pas mal de choses à lui ramener, mais comme ça change pas de toute façon qu'on va avoir énormément, énormément de loot à faire. Alors, on se retrouve avec notre bateau. Oui, alléluia, avec notre bateau à la base. Donc, on va aller faire le point et on en restera là. Qu'est-ce qu'on aura eu une frayeur dans cette partie?
Alors, je sais que la voiture n'est toujours pas résolue au niveau du problème d'ergonomie et de l'ancien dev. Hein, donc, il faut que le nouveau dev continue à rectifier. Alors, excusez, c'est mon chat qui éternue. Que le nouveau dev continue à arranger les choses. Hein. Il y avait pas mal de petits problèmes qu'on rencontrait. Et le nouveau dev est en train de les gérer au mieux qu'il peut. Voilà, donc j'espère que la voiture marchera. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je préfère ne pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas fiable du tout. Donc, faisons le tour de ce qu'il nous faut pour voir. Alors déjà, c'est les batteries parce que le reste, on sait à peu près où ça se trouve. Alors, batterie, est-ce qu'on aurait ça là-dedans? Non. Ok. Alors, je regarderai autrement et puis je les ferai dans l'autre épisode. C'est pas là-dedans non plus. Je pense que ça doit être dans le workshop là-bas. Là, le Kevlar. Qu'est-ce qu'il nous faut pour du Kevlar? Il nous faut des bouteilles d'eau et il nous faut des fibres. Donc, on devrait s'en sortir aussi au niveau du Kevlar. C'est les batteries qui me posent un problème. Alors, est-ce que du biofuel, on en a largement assez? Donc, on sera bon pour lui donner ça. C'est les batteries. Je ne vois pas du tout où elles sont. Donc, je verrai ça si je ne les trouve pas avec vous là. Les fabriques. Fabrique, fabrique, fabrique. Alors, les fabriques. Je pense que c'est là-dedans. Si je ne m'abuse. Voilà, les fabriques, c'est des tissus. Ça, c'est un peu plus compliqué à avoir. Je crois que c'est avec les toiles d'araignée. Voilà. Donc, il va falloir qu'on aille chercher des toiles d'araignée parce qu'il faut 15 fabriques. Ici. Donc, on devrait pouvoir se faire les pansements, je pense. C'est dans l'inventaire même qu'on se fait les pansements. Donc, là, on a le biofuel. Alors, le biofuel, il en veut 100. Donc, on en a 100. Hop, on les prend. Comme ça, hop, je le range là-dedans. Ça, je le mets là-dedans. Je m'y retrouverai plus tard pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc, on a les 100 biofuel. Ce qu'on va faire, c'est tout ce qui est pour la quête. Comme ça, on saura où on en est. Donc, les 15 fabriques se font. Les bandages, les 100 trucs. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Là, c'est mon flingue. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il y est. Ça, c'est la nourriture. Donc, ensuite, des bandages. Donc, ça se fait là-bas. Biofuel, les 100. Donc, c'est bon. 100 clous. On doit avoir ça sans problème. Hop. On va aller voir ici. Alors ici, alors il faut combien de ciment? Il en faut 250. Ah, ça pique, mais on les a. Les 250 ciments, c'est bon. Il s'embête pas quand même pour elle. C'est pas lui, hein. On voit que c'est pas lui quand même qui va chercher les trucs. C'est nous, hein. Sale bête. Alors ici, combien il nous faut de clous? Clou, 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 clou. Il en faut 100. Boum, allez, 100 clous. Ok, donc les 100 clous, on les a. Les wood planks, ça c'est pas très compliqué, ça à faire avec le bois. Bon, combien il en veut? Wood plank 100, on les a. Donc c'est bon. 100 colle. Alors, colle, 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 c'est là-bas. On se demandait à quoi ça allait nous servir. Maintenant, on le sait. Ici, du colle, donc il en veut 100. Voilà, comme quoi ramasser des biens dans les mines, comme quoi on en a bien besoin par la suite. Ensuite, donc des litters, c'est avec les trucs des animaux. La farine, ça c'est sûr qu'on n'en a pas, mais c'est sûr et certain. Je le prenais pas à chaque fois. Si vous vous rappelez, dans les épisodes, j'en avais pas l'utilité. Ça m'étonnerait que j'en ai 100. Dans les feux de camp. Bon, là, j'ai rien. Là, j'ai pas du tout de farine. Hein. Non. Je pense que ça, par contre, va falloir que je m'amuse. J'en ai 33. 33, il en faut 100. Donc, on va les prendre quand même. Ça, je vais le mettre dans le feu de camp. Donc, il va falloir looter rien que des farines. Oh, la prise de tête. Donc là on n'a rien là-dedans. Je pense pas que je l'aurais rangé là, la farine, pas du tout.
Alors, les sans farine, on les a pas. Batterie. Alors, c'est ça que je voulais voir avec. Il manque les bandages. Donc, ça se fait dans l'inventaire. C'est les batteries que je voudrais voir. Est-ce que c'est dans un des appareils qu'on a fait? Alors, repair bench, turbine machine, fourniture. Alors, hop. On avait fait ça dans le dernier épisode, dans l'épisode 20. Hélipad, minéral, réacteur. Non. Je crois que c'est les batteries qu'il va falloir que je voie où c'est qu'on peut les faire. Et là, il n'y a rien. Ici, on a les turbines schématiques. D'accord. Alors là, pour les batteries, je vous avouerai que je ne sais pas. Donc ça, je ferai des recherches de mon côté. On a quand même pas mal de choses d'avance. Comme quoi, d'avoir du stock, ça sert. Il va falloir qu'on chasse les araignées dans le prochain épisode hors live, hein, hors vidéo, que je chasse les araignées. Niveau Kevlar, je sais pas où on en est, mais on n'a pas assez, hein, de toute façon. Donc ça, par contre, je vais le mettre dans le bateau, comme ça ce sera fait. Je vais ranger tout le bazar. Et pour l'épisode 22, ce que je ferai, ben, de mon côté, je ferai un max parce que là, on peut pas en faire. Je peux pas en faire plus d'un, donc ça va être compliqué. Il va me falloir énormément de toiles d'araignée pour faire du silk. Et le fabric, il en veut 15. Il me faudra des plantes fibres et du silk. Et le silk, c'est avec les toiles d'araignée. Donc, il va falloir que j'aille dans la grotte. De toute façon, j'ai besoin de minerais parce que si on fait le point au niveau minerais, de toute façon, on n'en a quasiment plus. Donc ça sera utile, malgré que j'avais fait une session live tranquillou. Voyez le fer, on en a. Voilà, il en reste 80 avec les 10 qu'on a eu là. Donc ce que je vais faire moi de mon côté, on va en rester là. En tout cas, on est revenu avec le bateau. On dira alléluia, j'ai eu la chance de mon côté. Donc si vous avez le problème, le conseil que je vous donnerai, c'est n'hésitez pas à faire des décos du jeu. De toute façon, même si vous quittez le jeu. Sans sauvegarder avant, quand vous appuyez sur quitter, le jeu se sauvegarde automatiquement. Vous rallumez le jeu et vous le faites plusieurs fois. Et le bateau, normalement, devrait se débloquer comme ça s'est passé pour moi. Je vous dirai pas que ça a été facile, hein, il était le bec, mais vraiment le bec dans l'eau. C'est dès que je suis montée dedans, que j'ai réussi à y monter dedans, qu'il a un petit peu bougé. Et ça m'a permis d'avancer et de récupérer le bateau. Donc on dira que j'avais une bonne fée au-dessus de la tête. Sinon, c'était la fin du let's play d'Olium. Et franchement, avec tout le mal que je me suis donné depuis le temps qu'on fait ce let's play, et que ça fait 71 jours qu'on survit et qu'on est bien, ça m'aurait vraiment mis les boules de devoir arrêter le let's play. Mais en tout cas, parlons pas de malheur, on a récupéré notre bateau. Je mettrai tout ça dans le bateau. Je prépare tout ça. Je ferai ça en live, je ne sais pas quand, dans la semaine. Dans le prochain épisode, donc, j'aurai tout de près, je mettrai tout dans le bateau et on repartira là-bas en croisant les doigts que ça ne se reproduise pas. Et la chose que je ne vais pas oublier surtout, c'est de refaire un lit. Mais par contre, je ne peux pas vous dire quand je vous posterai l'épisode 22. Ce coup-ci, les bisous, ils sont pour de bon. Merci à ceux qui suivent le let's play. J'espère en tout cas que ça vous aura fait rire, encore mes péripéties, les péripéties à Chirelle dans les jeux vidéo. Sur ce, plein de bisous, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner à la chaîne. Merci à ceux qui suivent le Let's Play. Et une fois de plus, j'espère que ça vous aura fait sourire, mais je croise les doigts pour que dans vos parties, ça ne se passe pas. Voilà, allez, bye bye.